Normandie, l'agenda spectacle. Bonjour Vincent Niclot. Bonjour Rodolphe. On est ravis de vous accueillir sur France Bleu Normandie et on est surtout ravis de vous accueillir ce vendredi 27 mai à 20h30 pour un spectacle qui va être magique puisque vous allez vous produire dans la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux et avec votre voix, quel bel écrin. Écoutez, oui, c'est un beau cadeau de la vie parce que j'ai eu l'occasion déjà de chanter dans des lieux saints. C'est vrai que c'est complètement différent comme approche, comme ressenti. Et là, c'est la Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est quand même magnifique, grandiose. J'ai pas assez de superlatif. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte parce que du coup le répertoire que je chante va se prêter complètement à ce lieu, j'ai l'impression. Alors justement, il a fallu choisir dans votre répertoire parce que ça va de Luis Mariano, Mike Brandt, en passant par des choses un peu plus tango, à des choses très classiques. Là, on va rester dans du classique, j'imagine. Oui, on va rester. En fait, il faut que j'ai adapté le répertoire parce que comme vous devez le savoir, dans des lieux comme ça où il y a une réverbe naturelle, hein, on peut pas envoyer des titres qui sont très rythmés. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça récital, hein, parce que je vais être accompagné d'un piano, d'un violoncelle, d'un violon et de deux choristes. Et ça va être principalement axé sur la voix, les voix, puisque j'ai des choristes, et puis sur les orchestrations plutôt acoustiques. Est-ce qu'on peut imaginer des reprises de choses peut-être plus marquées au niveau religion? Je pense des Ave Maria, des choses comme ça. Est-ce que vous y pensez dans ce type de récital ou pas du tout? Oui, bien sûr, il y a des titres qui sont déjà que j'ai mis tout de suite dans la liste parce que j'ai eu l'occasion de les chanter. J'ai déjà chanté plus de 3 Ave Maria, donc évidemment il y aura de l'Ave Maria, il y aura mais pas seulement, il y aura aussi des titres que j'ai travaillé avec Serge Lama ou encore Pascal Obispo. J'avais fait une reprise de Jean-Jacques Goldman aussi, Puisque tu pars, que j'avais chanté dans une église orthodoxe qui se prête vraiment au lieu. Enfin, j'ai pris tout mon répertoire et j'ai essayé de trouver les chansons qui seraient le plus adaptées et qui prendraient vraiment toute leur place dans cet écran. Vincent Niclot, on est ravis de vous accueillir chez nous pour ce concert qui sera exceptionnel et donc unique, hein, parce que ça sera qu'une seule fois qu'on vous verra et qu'on vous entendra surtout. Et ce sera la Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, ce concert, vendredi 27 mai à partir de 20h30. Merci beaucoup Vincent et à bientôt pour le nouvel album. Hein. À très bientôt. Merci Rodolphe.